Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Instant Métier avec Vitrine Média. J'ai rendez-vous avec Alexandre Blonde qui dirige l'agence Dominique Blonde. Justement, il va répondre à toutes nos questions. Venez, suivez-moi. Alexandre, dans ton agence, on peut trouver ton magazine. Ça, c'est Production Maison. À l'ère du tout digital aujourd'hui, pourquoi tu es un peu en contre-courant finalement en proposant encore une version print de ta communication? Parce que le digital, aujourd'hui, c'est une évidence, on doit y être. Néanmoins, il ne faut pas oublier les valeurs socles. On fait un métier de proximité, un métier d'humain. Le papier, aujourd'hui, ça reste quand même une valeur sûre. Et surtout qu'avec ce magazine, j'ai fait le choix de communiquer du contenu qui soit intéressant pour toute personne qui reçoit le magazine. Parce qu'au-delà d'être distribué dans mon agence, le magazine est distribué aussi chez tous nos partenaires qui ont participé à l'aventure. Et il est aussi distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville de Garches. Donc le but, c'est du local. C'est du 100% local, fait maison. On ne parle que de Garches. On ne suggère que des commerçants locaux de Garches. Et on parle de décoration. Forcément, c'est lié à notre beau métier. On parle évidemment un peu d'immobilier et aussi beaucoup de notre ville de Garches. On parle de la ville, on parle de déco, on parle d'immobilier, on est sur du local. C'est quoi le retour de tes clients, des prospects, tout simplement des gens qui prennent le magazine en main là? Déjà, ils trouvent que le contenu est intéressant. C'était mon premier but, c'était pas de faire justement de la prospection pure et dure pour mettre juste en avant l'immobilier et notre agence. C'était de donner un contenu qui puisse plaire et parler à tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas de projet immobilier. En tout cas, bravo, ça c'est top, merci. Merci à toi.